Allez, c'est parti à présent pour Planète Marché. Une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'incertaine et riche actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière. Sur le plateau de Smart Bourse, pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'être avec Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie Gastaldi. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. Bonsoir Bertrand Puif. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagné par Gilles Etcheberry-Garay, responsable gestion diversifiée d'Amplegest. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Alors beaucoup de questionnements actuellement, beaucoup de questions, que ce soit en ce qui concerne le contexte économique mondial ou les marchés financiers. On traitera peut-être un peu plus avec vous, Valérie Gastaldi, dans un second temps. Mais on va commencer par le contexte économique mondial avec vous, Bertrand Puif. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que la crainte d'une récession est présente, hein, que ce soit sur le sol américain ou sur le sol européen, et on voit dans de plus en plus de scénarios de marché ce sujet de la Chine qui revient sur le devant de la scène, et on entend ce discours, c'est peut-être d'ailleurs votre théorie, hein, vous nous le direz dans un instant, que si jamais la Chine repartait, si la croissance revenait en Chine ou si elle atteignait ses 5,5% de croissance en 2022 comme elle le vise, on pourrait finalement ne pas connaître les épisodes récessifs qu'on nous promet actuellement. La Chine qui justement vient de rouvrir partiellement aux travailleurs étrangers ses frontières, elle assouplit ses mesures de confinement, hein, si je puis dire, ou en tout cas de quarantaine pour les travailleurs étrangers. Est-ce que c'est le moment Chine actuellement, et surtout, est-ce que la Chine peut venir tirer la croissance mondiale et amener un peu d'optimisme dans la promesse de récession qu'on voit actuellement? Alors, il est vrai que techniquement, au deuxième trimestre, donc, la Chine va être en récession, clairement. Donc il y a un effet de base qui est assez favorable, avec derrière des mesures qui vont être extrêmement fortes, puisqu'on sait que deuxième partie de l'année, au mois d'octobre, on a le congrès donc du parti où donc le leader actuel joue un peu sa reconduction, et effectivement il va faire tout ce qu'il faut. Après, c'est vrai que tout cela se mêle à cette politique zéro Covid qui n'est pas officiellement abandonnée, hein, donc il y a juste, comme vous l'avez dit, donc une relaxation. Qu'est-ce qui se passe si effectivement on a une flambée saisonnière au mois de septembre, au mois d'octobre, des contaminations? Est-ce qu'à nouveau ils vont refermer l'économie, ce qui serait effectivement très mauvais pour eux, mais également pour la bourse, parce que ça voudrait dire qu'on rentre dans ce spectre de stop and go continuel? Alors c'est vrai que ce sont les politiques chinois veulent garder la face, donc peut-être qu'ils ont dans leur tête déjà abandonné ce zéro Covid qui est effectivement dans les faits impossible à mettre en œuvre, à atteindre, mais peut-être qu'ils veulent pas l'avouer, qu'ils attendent effectivement une manière de garder la face. Voilà, alors c'est vrai que si on a ce rebond et si on atteint ces chiffres, hein, qui restent quand même très ambitieux, parce que le 5,5 sous-entend un rebond significatif de la croissance au deuxième semestre, avec des stimuli comme on n'en a jamais vu, même si les Chinois sont habitués à en faire des très forts. Et notamment, ça induit, nécessite une reprise du marché de l'immobilier chinois. Alors, c'était ma question, c'est qu'il y a la question de la volonté politique, il y a la question du Covid, et puis il y a la question de la capacité même de l'économie à, justement, se relancer mécaniquement. Parce que c'est quoi? C'est 20% du PIB chinois, le secteur immobilier, si on prend en compte la construction, c'est quelque chose comme ça? Exactement, sachant qu'il y a une partie qui est assez spéculative, puisque vous n'avez pas le droit de louer, par contre, vous avez le droit de détenir un logement et de ne pas l'occuper, et d'attendre tout simplement que la valeur monte. Et donc, vous avez eu tout un effet de richesse qui s'était constitué, autant aux États-Unis l'effet de richesse, il est via le marché financier, via les actions, notamment, eh bien, en Chine, c'était via, en fait, le marché immobilier, où, en fait, quand vous aviez un peu d'argent, vous achetiez un studio, et puis vous ne le louez pas, parce que vous ne pouvez pas le louer, hein, à part à vos enfants, et puis vous attendez que le prix remonte, et puis 3-4 ans après, quand vous avez fait plus de 50%, vous le revendez, et vous avez cet effet richesse qui, derrière, est investi en partie dans la consommation, et on a eu ce cercle vertueux. Tout ça, ça nécessite de la confiance. Vu ce qui s'est passé récemment sur l'immobilier en Chine, notamment avec la faillite de très gros promoteurs, où on a beaucoup en fait de ménages qui ont perdu énormément, hein, puisqu'ils avaient apporté de l'argent et au final ils n'ont même pas de logement, même si c'était spéculatif, ils n'ont rien. C'est vrai que ça reste pour nous en tout cas un point d'interrogation. D'accord. On a besoin, pour voir l'économie donc chinoise rebondir et atteindre ces fameux 5,5, que effectivement, comme vous l'avez dit, ça représente 20% du PIB, que le secteur du bâtiment, notamment lié à l'immobilier, reparte. Et donc là, on a quand même une incertitude qui est assez élevée.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire. Alors après, est-ce que ça aura effectivement un impact sur l'économie mondiale? C'est ça. C'est-à-dire que c'est quand on entend les scénarios, effectivement, et que le sujet Chine revient de plus en plus comme espoir potentiellement de tirer un petit peu plus la croissance mondiale et donc de réduire mécaniquement des épisodes récessifs, que ce soit sur le sol européen ou aux États-Unis. Est-ce que même si on n'atteint pas 5,5% de croissance effectivement en 2022, on aurait cette possibilité, cet espoir-là pour les économies occidentales? Alors je pense que la Chine n'est pas en mesure de tirer suffisamment l'économie mondiale pour éviter qu'il y ait une récession, en partie aux États-Unis et bon, en Europe aussi. Bon, en Europe, c'est inévitable pour d'autres raisons, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, nous, on ne voit pas la Chine, malheureusement, même si elle, encore une fois, était sur les niveaux qui sous-tendent ces 5,5, qui seraient extrêmement forts. Ça dynamiserait effectivement leur économie, surtout domestique. La partie internationale, les importations évidemment donc augmenteraient, mais pas dans une mesure telle qu'on puisse effectivement avoir un effet au niveau global significatif qui empêche d'avoir une récession mondiale. Gilles Etchebarrigaray, un commentaire peut-être d'abord sur ce sujet chinois avant d'aller sur le sol européen. Très bon sujet, effectivement. Je dirais que l'impact de la Chine, c'est avant tout, s'il est positif, ça sort de l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique zéro Covid, qui est une politique qui n'a pas vraiment de sens, si ce n'est pour sauver la face politique et pas reconnaître le vaccin américain, mRNA, on a vu ce matin que les Chinois mettront 5 ans probablement à avoir un vaccin de même niveau. Parce qu'il est acquis aujourd'hui que les vaccins chinois ne fonctionnent pas? Alors, ils fonctionnent un peu mieux, paradoxalement, je crois, comme le contre l'Omicron. Mais initialement, on est à 50%, 50,1% d'efficacité par rapport à 95, 96 pour les vaccins dits occidentaux. Donc, et ça avait été un écart qui avait du mal à justifier. Et surtout, qui, à l'échelle de la population chinoise, peut générer des millions de morts, surtout sur une population vieillissante. Et donc là, ça veut dire que si on aurait potentiellement à horizon 5 ans un vaccin aussi efficace, ça veut dire qu'il faut s'attendre à une politique zéro Covid de la part de la Chine sur les 5 prochaines années? C'est en théorie ce qui semble laisser entendre. Après, il y a le 20e congrès du Parti communiste, le 3e mandat de Xi Jinping, une première depuis Mao Tse-tung, le mandat du ciel pratiquement. Donc on pense qu'il peut arrêter une fois qu'il aura validé ce mandat. Et je dirais que presque peu importe maintenant. La bonne nouvelle, c'est que s'ils abandonnent de facto plus ou moins la politique, c'est ce qu'on attend à partir d'octobre ou novembre, ça sera la politique zéro Covid, ça sera un soulagement sur le front de l'inflation. Parce que cette politique zéro Covid génère une inflation, une disparition de l'offre qui vient compliquer encore la tâche des banques centrales. En revanche, pour moi, une chose est claire, la croissance chinoise à 5-7%, c'est fini. La sauce secrète de la Chine, c'était la bulle immobilière, qui a fini par éclater. Les niveaux de PNB, c'était 35% en 2017. Donc ça veut dire la construction au sens large, c'était encore plus important que l'Espagne en 2007. Et ceux qui se souviennent de l'Espagne en 2007 peuvent voir l'ampleur du choc à venir. Simplement, on a, je dirais, la bulle espagnole et la solution japonaise. C'est-à-dire que les Japonais, l'immobilier, 30 ans après, continue de baisser au Japon, alors qu'on a commencé, le plus haut du prix immobilier, c'est 89. On continue à baisser parce que non seulement on a une crise immobilière, après on a une baisse démographique. Moi, je me souviens, je commençais à l'époque, en 90-91, on me disait, au Japon, c'est une île, on ne peut pas construire. Donc l'immobilier japonais, c'est un placement pour l'avenir, puisque c'est une île, on ne peut plus construire. Donc c'était le raisonnement, on n'avait pas calculé que la population pouvait diminuer aussi. Mais ça, c'était un autre problème. Ça montre les trains à long terme. Donc aujourd'hui, je pense que la Chine est incapable de générer de la croissance, parce que la bulle immobilière ne pourra pas être redémarrée, trop importante et trop... Même le Parti communiste ne pourra pas convaincre les ménages chinois d'acheter. Le seul point positif qu'on trouve en Chine, et on parle, il y a un risque, après le 20e congrès, c'est une dévaluation du yuan. Ce sera un choc déflationniste sur la planète, parce qu'une des façons de relancer l'économie chinoise, ça va être de dévaluer le yuan. Et je pense que post-20e congrès, c'est un vrai risque. Et quand on se souvient de ce qui s'est passé en 2015, il ne faut pas faire attention. Et je dirais, la seule bonne nouvelle qu'on a en Chine et sur laquelle on investit, c'est l'Internet. Puisque maintenant, on l'a vu avec l'annonce de ce matin, le pouvoir chinois a besoin de tous les pourcentages de croissance dont il a besoin. Ça veut dire qu'il va laisser la bride, va relâcher la bride à son secteur le plus dynamique qui est l'Internet. Et on voit effectivement les valeurs Internet chinoises depuis 3 mois rebondir après le bain de sang de l'année dernière. Donc nous, c'est le seul endroit où on est présent en Chine, c'est sur les valeurs Internet chinoises, parce que c'est une bonne nouvelle pour elle, parce que maintenant, la direction veut de la croissance au tout prix, ne peut pas l'ingénierer à l'ancienne. Et donc, va laisser les valeurs faire un peu de croissance parce qu'elle aura vraiment besoin de tout ce dont elle a besoin. Et le risque à moyen terme, c'est la dévaluation du yuan. Personne n'en parle pour le moment, mais ça pourrait devenir d'actualité en fin d'année. Surtout que le yen, qui est le grand concurrent du yuan en termes d'export, a perdu 15% ces derniers mois. On a une dévaluation du yen qui a été juste énorme.
Bon, donc la Chine peut-elle venir tirer la croissance mondiale? J'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose de si évident que ça. Vous écoutez, messieurs, Valérie Gastaldi, peut-être... Baisser l'inflation, mais pas tirer la croissance. Baisser l'inflation, bon, ce qui est globalement déjà quand même une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour les mandats, en tout cas, que se sont fixés les banques centrales. Valérie Gastaldi, peut-être un commentaire sur la Chine. Alors, effectivement, Gilles Echeverry nous disait qu'il y avait quand même certaines opportunités de marché, potentiellement, sur les valeurs digitales. Un commentaire, peut-être, Valérie Gastaldi? Pour le moment, moi, je ne les vois pas encore. On a réussi à stabiliser les prix. On ne peut pas dire que ça soit franchement dynamique encore à la hausse, je trouve. Mais donc, je trouve que c'est un petit peu tôt. De même que l'investissement en Chine, en général, il faut vraiment oser y aller. Hein. Ça reste risqué pour des raisons Covid ou... Écoutez, je ne peux pas vous dire quelle est la raison qui va dominer. On voit qu'il y a une opportunité, mais il n'y a pas que sur la Chine, il y a un ensemble d'opportunités là actuellement, on a une fenêtre d'opportunité, mais c'est pour le moment, on n'a encore rien transformé. La situation est tellement complexe, on a encore des points macro à aborder. Bien sûr, et en fait, justement, les conclusions auxquelles on arrive dans l'ensemble sont complexes parce qu'il y a trop d'interactions actuellement qui sont inconnues. Et à savoir si... parce que dans l'inflation et la croissance chinoise, il y a deux aspects. Il y a cet aspect, la Chine peut refournir... En fait, en Europe, ça peut relancer la croissance parce qu'on a un certain nombre de secteurs qui tournent au ralenti parce qu'ils sont insuffisamment alimentés en composants. Donc, ça fait monter les prix. Donc, si on arrive à faire baisser les prix... ça va aider le pouvoir d'achat en Europe. Et en plus, on va avoir des entreprises qui disent qu'elles ont des carnets de commandes qui débordent, donc qui peuvent accélérer la production si elles reçoivent plus d'intrants de la part de la Chine. Ce n'est pas facile de savoir exactement où les curseurs vont se situer dans 6 ou dans 9 mois. Donc, l'impact de la Chine, moi, je pense que s'il y a une petite reprise, de toute façon, c'est mieux que s'il n'y en a pas. Ça, c'est clair. Et jusqu'où ça va nous mener, je ne sais pas. Il y a tellement de curseurs à faire bouger en ce moment que je crois que c'est impossible de vraiment projeter des niveaux. Et pourtant, on est en train de débattre de niveaux, à savoir récession ou pas récession. Bien sûr, c'est un niveau. Hein. Moi, je suis plus à l'aise à envisager des dynamiques, à dire est-ce qu'on peut avoir une amélioration ou est-ce qu'on va continuer dans une détérioration telle qu'on l'imagine actuellement? Parce que quand on regarde les chiffres, la détérioration, elle n'est pas encore très marquée. Tout le reste, on l'attend. Voilà. Donc, la Chine, c'est encore un petit peu tôt, mais au même titre que le reste, si on a un investisseur très court terme, oui, pourquoi pas, on peut tenter des choses, mais quand on a... quand on est lié par son investissement sur plusieurs mois, je pense qu'il vaut mieux être un petit peu en retard qu'arriver beaucoup trop tôt. Alors justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets macro en ce moment. Alors on n'aura pas le temps de tous les traiter, mais j'aimerais quand même revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Bertrand Puy. Vous avez quand même mentionné dans votre réponse que la récession sur le sol européen semble, à vous entendre, plus une promesse que sur le sol américain. En lien quoi avec les... et d'ailleurs, je vous vois acquiescer, c'est même plus qu'une promesse. Nous, par exemple, on a travaillé sur des scénarios qui sont peut-être les scénarios du pire, mais imaginons qu'on ait effectivement plus de gaz en Europe au deuxième semestre. Donc l'Allemagne, c'est moins 4% sur le PIB. Et en moyenne, en Europe, on est à moins 3. Voilà. Bon, France, on sera à moins 3,5. Voilà. Bon, alors après, est-ce qu'effectivement ça arrivera? On n'en sait rien. Nous, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il y a certains industriels donc, qui consomment beaucoup de gaz en Europe qui ont déjà des rationnements parce qu'il faut reconstruire donc, les réserves donc, oui, c'est ça, on parle en avance de l'hiver, hein, parce qu'on est un petit peu en retard. Enfin, après, ça dépend comment il va être l'hiver. Si l'hiver, il est comme le dernier hiver, peut-être qu'on s'en sortira avec ce qu'on aura. Mais si c'est un hiver froid, là, on risque d'avoir des soucis. Comme, effectivement, la priorité politique, c'est de faire en sorte que les gens puissent se chauffer hein, pour éviter qu'ils soient dehors en train de s'énerver contre le pouvoir. Donc, effectivement, on commence déjà à pénaliser certaines industries. Et nous, on pense que quand on va, et ça va être une surprise sans doute pour le marché, encore une fois, on parle à ce stade que d'un petit nombre d'entreprises, mais peut-être d'accord, des entreprises emblématiques, qui pourraient, quand ils vont publier leurs résultats du deuxième trimestre, faire un avertissement sur les résultats, déjà,
sur le troisième et le quatrième en disant attention, on est déjà en train de nous restreindre l'accès donc à l'énergie. Hein, c'est même pas une question de prix et de pouvoir répercuter cette d'accord, hausse de prix donc aux clients. C'est qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que pour encore une fois reconstituer ces réserves de gaz avant l'hiver. Bah, on nous demande, nous, industriels, de consommer deux fois moins ou 20% de moins, etc. Ça, ça pourrait effectivement surprendre et effectivement rendre ce scénario qui paraît à tout le monde complètement irréaliste, beaucoup plus réaliste, hélas. Et le marché pourrait effectivement, si c'était le cas, encore une fois, je suis en train de vous brosser un scénario un peu noir, hein, volontairement. Bien sûr, qui n'est pas le scénario de marché. Qui n'est pas le scénario de marché actuel et qui n'est pas notre scénario central non plus. Mais ça. C'est un scénario dont la probabilité a augmenté et augmente tous les jours, vu en fait l'état d'esprit des belligérants hein, qui ne veulent pas négocier. Donc voilà, on est obligé de le prendre en compte. Aujourd'hui, on mettrait une probabilité sur cela alors qu'on était peut-être à 5% il y a deux mois. Aujourd'hui, on est, de notre point de vue, à 20%, ce qui n'est pas négligeable. Et non, encore une fois, ouais. Jour après jour, ce 20%, il augmente. Donc peut-être que d'ici 15 jours, on sera à 25, 30% parce que voilà, chaque jour qui passe et où on ne reçoit pas suffisamment de gaz russe pour remplir... nos réservoirs, il faut soit maintenant, soit dans quelques mois, couper le robinet, partiellement ou totalement, à certains industriels. Bah alors justement, j'ai quand même envie de vous poser la question de votre scénario central, hein, vu que ça, c'est un scénario qui n'est qu'à 20% dans vos estimations. Votre scénario central, du coup, le scénario central est tout de même plus pessimiste qu'aux États-Unis. Puisque aux États-Unis, si vous voulez, donc on a la Fed qui, comme d'habitude, réagit beaucoup plus vite que la BCE. Ce n'est pas nouveau, hein, parce qu'il y a des éléments politiques qu'on ne retrouve pas aux États-Unis, même s'il y a évidemment tout est politique, même l'action des banques centrales. Alors, ils sont déjà, aujourd'hui, donc ils ont déjà remonté leur taux à 1,75. Bon, le marché anticipe peut-être, là, anticipe un peu beaucoup à 4% d'ici le milieu de l'année prochaine. Bon, mais ils ont déjà, si vous voulez, constitué une marge de manœuvre. Ce que n'a pas la BCE aujourd'hui. Ce que n'a pas la BCE aujourd'hui, puisqu'on parle déjà d'augmenter simplement de 25, et puis peut-être au mois de septembre de 25. Ce qui est complètement d'ailleurs en déconnexion au passage avec les anticipations de marché, puisque le marché s'attend à ce que les taux en Europe de la BCE d'ici 12 mois soient à 280 points de base. On est à zéro. Hein, et puis là, il guide simplement sur 25 plus 25, 50. Bon. Voilà, donc je voudrais dire que le marché, il pense qu'il y aurait besoin de ça, alors peut-être que c'est excessif, hein, de 280 points de base, compte tenu de l'inflation. Et puis la BCE, elle nous dit, je fais 25, et puis peut-être 25, donc on sera à 50. Voilà, il y a un peu une déconnexion, parce qu'effectivement, la BCE doit gérer un certain nombre de problèmes, l'un d'entre eux étant la dette. Pardon. Notamment les niveaux de spread, sur le sol européen. Exactement. Que dès qu'on annonce une hausse de 25 points de base, d'un coup d'un seul, il faut sortir un outil anti-fragmentation. Regardez le coût de la dette, le 10 ans italien, il est déjà à des niveaux qui sont complètement asphyxiants. Nous, à 2,20, on a notre ministre de l'économie qui nous dit que là, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la fragmentation, la problématique, c'est que, dans le système, en théorie, on va aider les pays dits périphériques. Donc, périphériques, pourquoi ? Ça veut dire ceux qui ont des problèmes de dette. Mais la France a un problème de dette. Ouais. Donc comment on fait ? Ah ben je vous garantis sur ce plateau, elle a été classée dans les deux camps. Si les taux montent à 2,5, imaginons, ou même au-delà en France, vous avez Bercy qui va appeler la Banque Centrale Européenne en disant on veut être inclus dans le système, on a besoin que vous nous aidiez. Et là, comment on fait ? Parce que là, la taille effectivement de la dette française, c'est pas la même. La position n'est pas la même que la dette italienne ou la dette espagnole. Comment on fait ? Voilà. Et donc c'est pour ça que ce système-là, encore une fois, fait par des technocrates, donc sur le papier, ça peut marcher, etc. Dans les faits, ça va être compliqué à mettre en place. Gilles Etcheverry-Garay, j'ai envie de vous poser la même question de votre scénario sur l'Europe. Est-ce qu'il est un peu plus optimiste que celui qui est décrit par Patrick ? Alors, je dirais globalement non, mais sur le sujet de la dette française, pas de problème. Aujourd'hui, quelle est la croissance nominale française ? Elle est de 8%. L'État, son processeur de dette, à 2% avec 8% de croissance nominale. La dette sur PNB baisse, il n'y a pas de problème. Quelle est la position extérieure de la zone euro ? Elle est strictement excentère. La position d'Italie est excentère. La zone euro consomme, épargne plus qu'elle ne consomme. Elle s'autofinance, il n'y a pas de problème. Le seul problème italien, c'est que les ménages italiens ne veulent pas prêter à l'État italien. Ils prêtent aux banques allemandes et luxembourgeoises. Et derrière, la BCE doit prendre cet argent-là et le renvoyer en Italie. Mais aujourd'hui, il y a un excédent primaire. On n'est pas dans la Grèce. La Grèce consommait à crédit. L'Italie a un excédent d'épargne, ne consomme pas assez, a un problème de taux nominaux par rapport à la croissance. Et ce que va faire la fragmentation, c'est de redescendre les taux d'intérêt nominaux de la dette italienne sur la croissance. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'endettement. C'est un problème des épargnants qui ont prêté. Mais à 2,20, avec 8% de croissance nominale ou 7% de croissance nominale, vous avez zéro problème. Mais ça, c'est la croissance, si je puis me permettre, 2022. 2023, on ne sera pas à 8%, je l'aimerais. Hein, mais oui, mais s'il y a 5% d'inflation, 4% d'inflation, mais les taux d'intérêt, peut-être voilà. C'est nominal. Oui, mais c'est nominal. Alors, on a une incertitude quand même. Oui, Gilles et puis Valérie sur le sujet. Oui, c'est la croissance nominale. Aujourd'hui, on a une croissance nominale qui fait baisser
le taux de dette sur le PNB, malgré 3-4%. Voilà, c'est, donc, tant qu'on a de l'inflation, on est en train d'éradiquer les dettes des États européens. Ce n'est pas souci. Ouais. Le seul pays qui a un problème, c'est l'Italie. Non pas parce qu'il ne peut pas se financer, mais parce qu'il y a plus d'épargne italienne, mais simplement, on a un circuit qui ne marche pas. Et du coup, on a un prix de la dette qui est au-dessus de la, de la croissance nominale. Et là, c'est une dynamique un peu dangereuse. Si on arrive à faire descendre, il n'y a plus de problème. Ça, c'est le premier point. Sur la récession, moi, je pense que la récession, il va y avoir une récession américaine, probablement. L'Europe va être en récession pour plein de raisons, entre la Chine, l'Amérique. La seule bonne nouvelle qu'on pourrait avoir, c'est éventuellement qu'il y a un cessez-le-feu en Ukraine avant l'hiver. Parce qu'il y a un épuisement côté russe qui peut être possible. Les contre-offensives, aujourd'hui, on voit que militairement, même si on a un retrait à Severodonetsk, on voit que les Ukrainiens sont en train de faire exploser les dépôts de munitions russes les uns avec les autres, avec leur artillerie longue distance qu'ils ont reçue. Donc on peut avoir un changement dynamique sur ce front-là, à l'automne, je dirais, et éventuellement avec l'économie russe sous pression des sanctions à l'hiver. Donc, et en plus, il y a un problème, le gaz. Il faut voir une chose, qu'aujourd'hui, on dit les Russes ne remplissent pas le gaz, c'est vrai, mais il y a quand même une différence fondamentale entre le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, le pétrole russe, qu'est-ce qu'il fait? Il va, bon, il discount 30%, il va en Inde, il est raffiné en Inde et il est expédié en Europe. Alors, c'est les Indiens qui gagnent, mais et là, tout le monde est content. Les Russes touchent 30% de moins, les Européens ont leur fuel. Le gaz, ça, c'est avéré. C'est pas la première fois que je l'entends sur ce plateau. Oui, c'est avéré. Oui, c'est... Oui. On dit rien parce que l'Inde est stratégique et ça les aide. Et puis, quelque part, ça résout une partie du problème. C'est-à-dire qu'on pénalise les Russes, on aide les Indiens et nous, on a moins de problèmes d'inflation. Donc, tout le monde est gagnant. Mais le gaz, aujourd'hui, c'est quoi le gaz? C'est, ça part des champs russes et ça arrive uniquement en Europe. Et ça ne peut arriver qu'uniquement en Europe. Et en plus, si on ne redémarre pas le gaz, ça va se geler ça va être un problème très, très rapide aussi pour côté russe. Parce qu'ils ne peuvent pas vendre leur gaz. Le pétrole, ils peuvent le vendre aux Indiens, ils peuvent le vendre aux Russes, ils ne peuvent pas vendre le gaz, ils restent sous terre. Donc c'est aussi une dynamique dont il faut tenir compte par rapport à ça qui va faire qu'ils ne peuvent pas non plus, ils envoient encore un peu de gaz parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter complètement le gaz parce qu'ils risquent de tout geler tout le long des pipelines. Donc ce n'est pas des pipelines, c'est gazoduc en l'occurrence. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arrêt du gaz n'est pas un risque puisque du coup, ni la Russie... Oui, c'est quand même, c'est un risque, mais c'est un risque ultime. Là, on est dans la confrontation parce que là, ils mettent en danger le client et le producteur. À la différence du pétrole où on peut dire je ne te vends pas ou je ne t'achète pas. Et puis derrière, ça fait un circuit où ça revient, c'est un bien fongible, le pétrole. Le gaz naturel n'est pas un bien fongible puisqu'on extrait un endroit... On a des gazoducs et on envoie, en tout cas pour ce qui est des gazoducs russes, puisque au Qatar, comme ça, c'est du gaz liquéfié, donc ils peuvent l'expédier partout. Mais voilà. Donc ça, c'était. Mais pour l'Europe, l'Europe a un problème avec son client chinois, a un problème avec une guerre qui est présente et a un problème avec une récession américaine qui est probable. Donc effectivement, je veux dire, les scénarios européens sont au-delà du problématique de l'énergie qui se réalisera ou ne se réalisera pas, mais qui est tout à fait une potentialité qu'il faut envisager. La croissance européenne est quand même sous pression très très forte. Et les 2,80 que vous avez évoqués me paraissent totalement hors de propos aujourd'hui. Et on risque d'avoir l'euro qui va vers la parité avec le dollar parce que le jour où on enlèvera ces 2,80, l'euro sera un peu nu de ce côté-là. Donc ça, c'est ce que price le marché. Oui, qui paraît excessif et on est d'accord là-dessus. Voilà. Alors, on continue avec vous, Valérie Gassaldi. Peut-être un commentaire sur la situation européenne avant de faire le lien avec les marchés sur le temps qui nous reste. Mais alors, du coup, sur cette situation européenne, j'ai l'impression que je n'entends plus personne s'attendre à une croissance en Europe sur cette année 2022. Ne serait-ce que 0,1% sur les deux derniers trimestres de l'année. Clairement, la dynamique économique, elle n'est pas favorable pour le moment. Et si les choses s'améliorent, ça ne va pas être demain. Il va falloir quand même plusieurs mois. Et on peut envisager que la fin de l'année se passe mieux que ce deuxième trimestre et limite que l'été. L'été est aussi un peu en péril. Hein. C'est pas... Mais ça va pas changer immédiatement. Donc ça, c'est à peu près acquis. Sur les États-Unis, ils ont quand même une résilience plus importante. Ils sont beaucoup moins dépendants. Enfin, l'énergie n'est pas un souci. Ils ont un marché de l'emploi qui est ultra dynamique. Donc ils ont quand même aussi une demande qui va être plus soutenue. Parce que le risque, c'est quand même qu'en Europe, on ait une demande des consommateurs qui faiblisse trop. C'est vrai, c'est vraiment ça le risque. Et c'est pas un risque qui est nécessairement majeur, parce qu'à côté de ça, on a quand même aussi un chômage qui est nettement en baisse. On a des tensions aussi sur un ensemble de créneaux, de secteurs industriels.
Bon, l'économie se porte mieux qu'elle ne s'est portée au cours de nombreuses années précédentes. Alors, on a un risque important, mais qu'on ne sait pas très bien évaluer, parce que tous ces risques sur l'énergie, c'est normal, on doit les envisager. Et c'est normal aussi qu'en ce moment, les gouvernements et les entreprises qui étaient autrefois des entreprises publiques tiennent des discours où il faut qu'ils refroidissent les gens et qu'ils les modèrent et qu'ils leur laissent envisager, qu'ils aient un soutien de la population pour consommer un petit peu moins d'énergie. Notamment la tribune de Total Energy, Engie, voilà, et EDF. Mais bon, quand on regarde les marchés, les prix du gaz ne flambent pas. Hein, on a eu quelques périodes pendant lesquelles ça a beaucoup monté, ça a fait la une des journaux, mais les journaux après n'en parlent plus jamais quand ça retombe au niveau auquel on était avant la flambée. Et pourtant, à chaque fois, on est revenu à ces niveaux-là. On est en hausse tendancielle, mais on est en hausse tendancielle lente quand même, et on est très loin de niveaux auxquels on était il y a 7 ans ou 8 ans. Donc, le prix du gaz, il est relativement contrôlé. Le prix du pétrole, oui, ok, 110 dollars, 100 dollars, 110 dollars, 115 peut-être, 120. Oui, mais enfin, on a connu des niveaux équivalents pendant assez longtemps et on avait, enfin voilà, on peut le gérer ça aussi. C'est pas exceptionnel. Donc, le marché n'est pas en train de nous dire qu'il y a réellement pénurie sur ces matières premières. Le rouble est au plus haut depuis 5 ans. Donc, on a des soi-disant, on n'achète plus rien aux Russes. Moi, je ne sais pas pourquoi le rouble monte si on n'achète rien chez les Russes. Parce qu'ils n'importent rien. Hein ? Parce qu'ils n'importent rien. Donc, vous avez un pas de... Oui, voilà. Peut-être aussi. Mais enfin, bon... C'est... Oui, tout... Mais l'industrie donc, russe. L'industrie russe est une industrie fictive. Hein. Elle n'est pas uniquement des machines à outils allemandes. Bon, il suffit de voir, on autopsie pas mal les matériels russes qui recrutent. On trouve des puces de Thalès et autres. Enfin, on trouve des puces françaises. Il y avait une importation d'européennes et américaines qui était très importante dans l'industrie russe. Il suffit de voir chez Lada, les usines sont à l'arrêt parce qu'ils n'arrivent plus à importer de composants. Donc, la rouble monte parce qu'ils exportent, mais ils n'importent plus. Hein, ça va en septembre. Bon, enfin, en tout cas, ça leur met une pression supplémentaire, du coup, pour financer leur guerre. Hein, si... donc voilà, on est vraiment dans ce cas-là. Et vous voulez passer à la question suivante. Non, mais je vous laisse finir. Ensuite, on parlera des marchés. Mais... non, mais voilà, je veux dire, tout ça, on l'imagine. On imagine tous ces risques. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas encore avérés et qu'ils existent. Mais c'est peut-être qu'on envisage trop de négatifs à brève échéance. Alors justement, ça fait une transition toute trouvée avec le niveau des marchés actuellement et la hausse du CAC 40. Donc aujourd'hui, mardi, on est aux alentours de 6100 points, 6088 exactement. Moi, j'ai envie de commencer avec vous, hein, Valérie, pour essayer de comprendre un petit peu ce comportement des marchés ces derniers jours. Alors je sais qu'effectivement, là, je suis sur du très court terme et qu'on va essayer de regarder ça un petit peu plus sur le long terme. Mais on a du mal en fait à comprendre. Par exemple, il y a eu une hausse jeudi, vendredi sur un certain nombre de marchés, notamment les marchés américains et européens. En tout cas, moi, j'ai pas vu de rotation sectorielle particulière. J'ai vu tout monter. Alors, des valeurs de croissance monter plus que des valeurs défensives. Un peu d'ailleurs ce qu'on peut voir aujourd'hui sur certaines valeurs. Mais on a quand même l'impression que c'est un mouvement un peu unanime de balancier ces derniers jours du marché dans un sens ou dans l'autre, avec des accélérations plus fortes ou des ralentissements plus forts. Mais tout semble aller dans le même sens, ou c'est une mauvaise lecture du marché à court terme? J'aimerais bien pouvoir vous répondre simplement, mais la rotation sectorielle est d'une complexité inouïe et on peut vraiment. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse parler simplement en valeur de croissance, valeur de rendement, parce D'accord. que les banques n'ont pas du tout eu le même comportement que l'énergie. Juste pour citer ça, et c'est quand même important dans cette partie. Bien sûr. Bon, oui. Donc, le problème du marché, c'est que où qu'il se tourne, si on veut être négatif, on peut. Soit on a une croissance qui ne faiblit pas trop, mais à ce moment-là, les banques centrales, à l'aise, elles continuent à monter leurs taux parce qu'elles ont quand même beaucoup de retard. On a des taux réels très négatifs, etc. Donc on a un parcours sur la hausse de taux qui va pas. Enfin, c'est difficile d'envisager que les marchés en général soient flamboyants avec des taux qui continuent à remonter.
depuis les niveaux actuels. Soit on a des économies qui ralentissent, auquel cas on sait qu'on va mettre la pédale douce sur les hausses de taux, potentiellement. C'est même pas gagné, pas tout de suite, mais enfin, ça va cesser. C'est potentiellement anticipé. Pour 2023, en tout cas, ça se calmerait très nettement. Mais dans ce cas-là, les profits des entreprises, on ne sait pas très bien comment ça va passer. Donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, disons, au cours des 15 derniers jours, ou d'abord 3 dernières semaines, où les marchés ont d'abord fortement baissé, baissé. En fait, ce qui a le plus baissé à cette période-là, c'était toutes les valeurs qui étaient les plus exposées au risque de récession. Elles se sont absolument effondrées. Or, ce sont celles qui, dans l'ensemble, n'avaient pas trop mal marché depuis 6 mois, quoi, depuis le mois de novembre. Et donc, parce qu'au début de la baisse, depuis le mois de janvier, ce qui a baissé le plus, c'était effectivement dans l'ensemble le compartiment croissance, donc le luxe, la consommation et puis la technologie. Et là, en fait, ça a moins baissé en comparaison. Et alors, tout le reste, c'est complètement vautré à toute allure. Et du coup, on a peut-être une capitulation locale, hein, au moins. Je ne vois pas à 6 mois ou 1 an, mais peut-être pour l'été. D'autant que quand on regarde les positions acheteuses des gérants aux États-Unis, alors j'ai bien quand on regarde les positions, parce qu'il y a des sondages qui disent des choses différentes. Quand on regarde aussi la volatilité implicite, ce n'est pas très clair, etc. Mais les positions acheteuses sur les futurs, sur le S&P 500, elles sont au plus bas depuis, je ne veux pas dire de bêtises, 2015. C'est-à-dire qu'on est plus bas qu'en 2020, on est plus bas qu'en 2018 et on est sur les niveaux de 2015 où on est entré en consolidation pendant un an. 2015-2016, le marché américain, il n'a pas fait grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'acheteurs aujourd'hui sur les marchés, c'est ça? Ben voilà. Donc tout le monde est couvert. Ça veut dire que les gérants sont couverts avec des futurs. Voilà. Il faut dire que la volatilité est relativement chère. Si vous voulez vraiment couvrir votre portefeuille, vous n'avez pas intérêt à vous couvrir uniquement en volatilité. Par ailleurs, la mentalité est, comme je vous disais, en macro, c'est compliqué de voir les marchés progresser, hausse de taux ou récession. Et du coup, les gens ont beaucoup désinvesti, à mon avis. En tout cas, je ne peux avoir que cette conclusion-là à la lecture des données sur les marchés dérivés. On est dans une position de marché baissier structurel qui a été prise par les investisseurs. Dans ces cas-là, ils vendent pas mal d'actions. Ils traitent relativement peu d'options. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais la volatilité n'est pas assez élevée pour une période de crise. » Oui, parce qu'en fait, comme il y a moins d'actions qui ont été achetées, qui sont en portefeuille, il y a aussi moins de besoin d'achat, de couverture par les dérivés. D'accord. Par les puts, pas par les options. Oui. Les gens se couvrent plutôt sur les futurs, parce qu'ils trouvent que la volatilité est élevée et qu'elle va être couverte. Donc, on n'a pas d'acheteurs sur les marchés de futurs. Hein, voilà. On a un solde qui est à zéro, en gros. Ce qui est vraiment très, très rare. Alors, ça ne veut pas dire... Normalement, c'est un point bas qui peut durer quelques mois. Et alors, rapidement, avant de passer à Bertrand Fuff, qu'est-ce que ça nous dit du fait qu'il n'y a pas d'acheteurs? C'est qu'en fait, c'est un moment d'attente aujourd'hui du fait que... Ça veut dire que les anticipations sont toutes très négatives. Parce que... trop négatives. Les gens se sont préparés au pire. Après, enfin, moi, c'est ma lecture. Bon, je me trompe peut-être. Hein. Mais les gens se sont préparés au pire parce que, je vous dis, tous les scénarios qu'on peut faire sont quand même... Il n'y a pas de scénario vert, là. Je les attends. Enfin, je ne sais pas si vous en connaissez, mais quels sont les scénarios optimistes? En fait, quand il n'y a plus de scénarios optimistes, les investisseurs, ils ont fait le tour de la table, ils ont ajusté leur portefeuille pour de la baisse. Bon, voilà, quand c'est fait, c'est fait. Les marchés d'actions, ils ne réagissent pas en fonction de ce que fait l'économie maintenant, mais c'est des flux. C'est que des flux, les marchés. Bertrand Puif, il n'y a pas de scénario optimiste aujourd'hui? C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est une contraction des multiples. On a vu, c'est la première phase d'un bear market. Maintenant, ces multiples, de notre point de vue, sur certains titres, effectivement, ils peuvent paraître relativement bas. Mais quand on regarde dans son ensemble, prenons le S&P 500, historiquement, il s'est traité entre 16 fois et 22 fois donc les profits. On était effectivement monté jusqu'à 35 fois. On est à 22 fois. Donc, on est sur le haut de la fourchette historique. Bien sûr, oui. Mais on peut aller corriger, effectivement, compte tenu des risques de récession, de ce que vous évoquiez, de hausse de taux, etc. On peut aller, effectivement, chercher un multiple plus bas. Et dans un second temps, après, on va avoir, malheureusement, dans les prochaines publications, sans doute, très probablement, une vague de révision à la baisse des attentes de résultats.
Alors ça, vous nous en avez parlé tout à l'heure, mais là, ce n'est pas forcément en lien avec les chocs énergétiques, c'est potentiellement juste simplement en lien avec l'activité des entreprises. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, on attend encore, le consensus attend encore une croissance des profits de 7% cette année, qui, de notre point de vue, est très élevée. Nous, on attend la moitié de cela, autour de 3,5%. Donc ça, c'est effectivement, ça va être un deuxième moteur à la baisse. Alors là, on a sans doute une consolidation technique dans une phase de baisse, donc un rebond. Les gens, effectivement, c'est un peu trop baissé, donc on voit un rebond de certains titres. Mais on pense, nous, qu'il va y avoir une deuxième phase de consolidation qui sera sans doute, peut-être, on espère, la dernière. Et ça, à ce moment, il sera important de timer pour savoir quand rentrer vraiment sur le marché. Mais, et ça, ce serait quoi? Ce serait en lien avec les publications des résultats des entreprises? Voilà, c'est-à-dire que les entreprises, déjà, qui arrivent, parce que la problématique qu'on a eue, c'est le premier trimestre, globalement, on a eu plus de 70% des entreprises qui ont fait mieux que prévu. Donc voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment voilà, on n'a pas matérialisé de contraction, de mauvaises surprises, pardon. Donc, deuxième trimestre, si effectivement, nous, on pense qu'il y aura quand même plus de 50% des entreprises qui, pour le coup, parce qu'elles n'auront plus les couvertures sur l'énergie qu'elles avaient encore au premier trimestre, parce qu'elles elles ont eu, notamment celles qui travaillent en Chine, ont eu quand même certains soucis. Donc, voilà, le deuxième trimestre pourrait effectivement générer des mauvaises surprises. Et si en plus là-dessus, les entreprises nous donnent un outlook, donc une perspective pour le troisième trimestre plutôt morose, parce qu'aujourd'hui, qui va être optimiste? Parce que quand vous êtes un chef d'entreprise, vous allez prendre plutôt les choses de manière très... Bien sûr, prudente. Voilà, prudente, exactement. Donc ça pourrait effectivement pousser les analystes à réviser fortement sur certaines valeurs, à la baisse de plus de 10%, les attentes de profit cette année. Donc voilà. Mais vous êtes prêt pour ça? Tout à fait. Voilà. Ce sera une opportunité, effectivement. Le truc, c'est que ce qui peut se passer dans la vérité des faits, c'est potentiellement ce que vous êtes en train de décrire. Le marché est prêt pour ces mauvaises nouvelles. Donc peut-il encore baisser? c'est pas évident. Il faut parce que le marché l'aurait déjà anticipé. Sur les valeurs de croissance, nous on pense qu'il y a encore un potentiel de consolidation à la baisse, de baisse des multiples, notamment encore une fois, qui doit se continuer, même si elle a été violente, mais on était monté à des niveaux complètement délirants. Et c'est pour ça que nous on privilégie encore la value à court terme. Donc la value, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est les matières premières, c'est les financières, c'est les télécoms, où on pense que là le risque de révision justement à la baisse de ces profits est soit très fortement plus faible que pour les autres secteurs, ou même plutôt dans l'autre sens, on pourrait voir des révisions à la hausse comme sur l'énergie. Gilles Etchebéry-Garay, votre scénario de marché, vous, effectivement, est-ce que vous êtes prêt également pour les scénarios qu'on a évoqués? Oui, je dirais que par rapport à ce qui a été dit, quand on a correction américaine, on a deux types de corrections. On a des corrections sans récession, et à 20-25%, on a plus ou moins faite, et vous avez des corrections avec récession. Et là, le tarif est autour de moins 40, moins 50%. Là, on est clairement dans un... Et si on prend 2002, on a eu une baisse de à peu près 45 ou 50% avec trois bear market rallies de 15 à 20%. Donc aujourd'hui, effectivement, on a épuisé à court terme. On a probablement à l'intérieur à l'orée d'un bear market rally. On a déjà fait 10% quasiment. On peut en faire 5-10 de plus. La question fondamentale derrière, c'est est-ce qu'il y aura récession par récession? Parce qu'on parle techniquement, voilà. Aujourd'hui, une des raisons dont on n'a pas parlé, c'est le marché immobilier américain qui sera probablement la courroie de transmission par la hausse des taux, vers les ménages qui sont encore en forme, mais qui n'ont plus d'épargne, qui ont gagné beaucoup sur l'immobilier, qui ont perdu sur les cryptos, perdu sur les actions. Et le dernier actif le plus important, c'est l'immobilier. Et si l'immobilier baisse, on va avoir la Fed, comme toujours, à l'exception de 1994, qui est la seule fois où elle a monté les taux sans générer de récession. Mais à l'époque, on avait l'invention d'Internet, on avait la fin de la guerre froide, on a eu une crise en Asie, en Thaïlande et en Russie. On a eu LTCM, enfin on a eu d'autres choses, mais tous les hausses de la Fed ont fini par engendrer une récession. Donc probablement on est dans le même cas de figure, même si ça prend un peu de temps et on est quand dans les premiers pas de ça. Donc effectivement, on considère qu'on est dans un bear market rally qui peut nous amener, si on prend le SP500, 4100, 4200, avec avant l'été ou courant de l'été. Et sur les marchés européens, sur le CAC 40 par exemple? C'est compliqué parce que le CAC 40, enfin, c'est un peu l'SP500 mais des élastiques. Oui, d'accord. Donc de toute façon, ça suivra la tendance. D'accord. C'est donc on gère globalement. D'accord. Donc on regarde la tête de proue, quoi. D'accord. Si on a l'SP500 bien, généralement on a le reste. Alors après, ça, oui, c'est des élastiques. Des fois, c'est des élastiques qui avancent. D'accord. Donc, mais même si les anticipations de récession sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, du coup, on gardera quand même le S&P 500 en priorité. Oui, de toute façon, quand les Américains éternuent, nous on a un rhume. 30 ans que je gère.
je n'ai jamais vu, et j'ai fait une étude, on n'a jamais vu un trimestre négatif américain avec un trimestre positif européen. Ça, je vais regarder depuis 1990, ça n'existe pas. Et je dirais qu'en plus, le risque de récession aux États-Unis n'est pas négligeable. Il n'est pas acquis. C'est pour ça que le marché donne l'impression de ne pas trop savoir. On a eu une peur, effectivement, comme disait, toutes les pétrolières, tout ce qui était sensible, ça a été rejeté pendant 15 jours. Aujourd'hui, ça paraît s'être calmé. Et donc, le mot récession est en train de repasser un peu dans le derrière. C'est pour ça que le marché, pour moi, le scénario non anticipé, c'est vraiment la récession américaine. La bonne nouvelle, en revanche, aujourd'hui, s'il peut y avoir des bonnes nouvelles, et puis les actifs peuvent en bénéficier, c'est le problème de l'inflation. Parce que peut-être qu'on est sur le pic inflation avec éventuellement une chose, et donc les obligataires, la duration, peut être un très bon placement et gagner pas mal d'argent sur la fin de l'année. Parce qu'il n'y a pas que les actions dans la vie, il n'y a pas que le CAC 40 dans la vie, il y a plein de placements, plein de devises, réel brésilien, il y a plein de choses à faire pour investir et gagner un peu d'argent aujourd'hui. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans une phase de répit. On a eu une mauvaise surprise. On avait commencé déjà à partir du mi-mai, hein, on avait eu un rebond, et c'est vraiment le chiffre d'inflation. Et il n'a pas dit que la Fed, parce que la Fed, quand même, avait dit qu'elle ne ferait pas 75 bips. Et un dimanche soir, dans un article du Wall Street Journal, on a eu les 75 bips qui sont sortis du chapeau. C'est quand même une perte de contrôle de la plus importante banque centrale de la planète. C'est normal que les marchés, face à ça, se soient un peu... et réagissent violemment, parce qu'on parle, oui, quasiment d'une perte de contrôle. Donc là, je pense qu'on est dans une phase de répit. Les résultats du deuxième trimestre, et en particulier les résultats des grandes valeurs, et on finira là-dessus, ouais, mais... vont être très importants. Est-ce que Apple, est-ce que Microsoft, est-ce que Google vont dire des choses encore positives ou négatives? C'est un peu le marché de juillet, août, septembre qui se dessine là-dessus. Et ben voilà, justement, ça nous fait une perspective à regarder ensemble. Merci beaucoup Gilles Etcheberry-Garay. Je rappelle que vous êtes responsable gestion diversifiée d'Ampligest. Merci également Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Et merci Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse.